Le 18 juin 2024, Christophe va se rendre dans les bois pour mettre fin à ses jours dans un si grand soleil. Une mort qui promet d'anéantir Cécile et Achille. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes d'Un si grand soleil. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Cécile, Marie-Gaëlle Kahl, et Achille, Mathieu Rodriguez, s'apprêtent à traverser une terrible et douloureuse épreuve dans Un si grand soleil. Après des mois de trac, Christophe, Hubert Benhamdine, va malheureusement se donner la mort le 18 juin prochain. Il faut dire que le tueur en série le plus célèbre de Montpellier a compris que le retour du père Paven, Marcel Gonzalez, en France allait mettre rapidement la police à ses trousses. Sachant pertinemment que Cécile n'aurait jamais pu lui pardonner de tels actes et n'ayant aucune envie de finir ses jours en prison, Christophe va donc préférer se donner la mort. Voilà qui signe donc la fin définitive du personnage et de son alter ego, le fleuriste. Si la mort de Christophe promet bien évidemment d'affecter les téléspectateurs qui suivent les aventures du personnage depuis de nombreuses années, elle risque surtout d'anéantir Cécile et Achille. Cécile annonce l'impensable à Achille dans un nouvel extrait disponible sur la plateforme France TV, Cécile attend qu'Achille rentre à la maison pour lui annoncer la terrible nouvelle. Il faut que je te parle, c'est important, lui dit-elle mal à l'aise. Seulement, l'adolescent n'a aucune envie d'entendre ce que sa mère a à lui dire et encore moins s'il s'agit de bêtises concernant son père. Cependant, Cécile ne lui laisse pas le choix. Très émue, elle lui annonce alors que la police a retrouvé Christophe. Et de poursuivre, ils ont retrouvé son corps dans la forêt. Il est mort. Sous le choc, Achille s'écroule dans les bras de Cécile qui lui murmure en pleurs, « C'est lui qui a choisi. Il a fait ça pour nous protéger. Il a choisi de mourir. » Dans leur malheur, Cécile et Achille pourront toutefois compter sur le soutien indéfectible de Margot, Clara Bott, Hugo, Bibi Tanga, et Noura, Marielle Louise Compin. Et ce ne sera pas superflu car la mort de Christophe pourrait être le début des ennuis pour Achille et Cécile. Ces derniers accepteront-ils d'être liés à tout jamais à un tueur en série? Comment vont-ils vivre toutes ces révélations? Réponse prochainement dans Un si grand soleil.